Ainsi parle l'Éternel. Partagez la parole de Dieu avec vous-même. Le Seigneur vous parle, écoutez-le. Ainsi parle l'Éternel, le chemin du salut par la prédication. Amis des ondes, auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de la 88H, la Voix évangélique d'Haïti, plaisir immense dans que nous, même j'en tout, on le côté, nous sentons tristes parce que nous sommes presque arriver dans la fin semaine spéciale de prédication, ça, à l'occasion de la fête d'anniversaire, la grande célébration de la 88H, qui a parlé de 71 ans, ça. Il y a un bagage miraculeux que bon Dieu fait, nous dit bon Dieu merci en pile. Année passée, pour 70e, on a parlé d'un bagage tout neuf. Année ça, c'est pas inquiété au bon Dieu fidèle, en pile dans la vie, nous. Eh bien, nous pouvons gagner un plaisir aujourd'hui, à là, après qu'une fin de plusieurs prédicateurs, tant que pasteur Tidieu Seul Ferdinand, pasteur Maxime Michel, pasteur Josué Jacques, pasteur Kelly Augustin, que nous remercions d'ailleurs. Je veux dire, nous pouvons être contents pour nous recevoir. Un bon ami, il y a un qui toujours répond chaque fois nous invite lui, le révérend pasteur Marc Aurel Fénélus, pasteur de l'église chrétienne Source de vie qui trouvait lui à Vertière, notamment dans l'institution Shalom qui pour le gagner pour servir de porte-parole pour mon Dieu dans ces circonstances là. Jeudi a nous qui l'a pour servir ou ses amis, pasteur Marionel Simon. Pour nous préparer que nous, pour nous recevoir mieux le prédicateur du jour, nous allons quitter avec un bon morceau de musique que psalmiste Charles Rachel, un cover de Outre Fidèle, pour aller chanter pour nous. Et ça, elle va vraiment faire comprendre que ce qu'elle parle dans le message là, c'est une réalité. En nous bénissant nous ensemble à travers belle musique, ça. On sait mon Dieu, nos temps passé, aujourd'hui et pour tout temps. Tout ça dit, c'est ça au fait. Ou pas jamais échoué, ou pas jamais changé. Fidélité ou sans limite. Dieu fidèle, moi adore. Moi adoré, ou trop fidèle pour t'attraper, ou trop fidèle pour t'acquitter, ou pouvez sans rien dans la vie, et moi vivre réalisé. Ou trop fidèle pour t'attraper. Oh, 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 oh. Ou trop fidèle pour t'attraper. Oh, 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 oh. Ou trop fidèle pour t'acquitter. Non. Sans commencer ou finir. Et moi virer. Ou trop fidèle pour t'attraper. Yeah, yeah, yeah. Tout ça,
trop fidèle pour t'a quitter. Pour mettre au disponible et disposé pour t'indiquer sa bon Dieu par le dia ou par canal serviteur li, pasteur Marco El Fenelus. Sous thème, pas inquiété au bon Dieu fidèle, dans affaire fidélité, bon Dieu c'est 100% garanti. Avec nous, pasteur Marco El Fenelus, pasteur de l'église chrétienne, source de vie. Bonne audition et très bonne édification. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et je dis à son réel plaisir pour moi-même, pour me capable partager ensemble avec nous le message de la parole de Dieu. Et surtout dans une occasion qui est si importante, une occasion de grande envergure, qui c'est 71e anniversaire de la radio télé 80EH. Et moi, je voulais dire bon Dieu, un grand merci pour l'opportunité que le BAM pour me capable partager ensemble avec nous. Je dis à parole, bon Dieu. Et dans ça que je me recevoir comme thème et pour message ça pendant toute semaine ça, c'est que pas inquiéter, bon Dieu fidèle. Amen. Ça sont bel thème. Alors, je ne sais pas vous même cap garder ou cap tendre dans moment ça. Est-ce que ça regarde, est-ce que ça vraiment y concerne ou? Bon me dire encore, pas inquiéter, bon Dieu fidèle. Et sujet à c'est dans affaire fidélité, bon Dieu, c'est 100% garanti. Amen. Dans affaire fidélité, bon Dieu, c'est 100% garanti. Et là, mes chers amis, je connais que bon Dieu lui-même, dans l'amour infini, il va faire des choses qui sont extraordinaires. Je vais demander nous pour nous capables de lire ensemble avec rapidement dans 2 Timothée 2, verset 13. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Je ne sais pas si vous avez une Bible ou n'importe quoi, vous va toujours garder dans la Bible. Et moi, je vais lire pour vous-même dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Qui ça le dit? Il dit comme ça. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Parole du Seigneur. Mais nous avons l'autre texte encore que nous pouvons lire pour nous-mêmes, qui trouve dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ok, si vous avez une Bible ensemble avec vous, vous toujours garder Philippiens 4, verset 6. Ces deux versets là, qui ont servi de levier pour la prédication dans le moment ça. Ok? Philippiens 4, est-ce que nous l'avons, est-ce que tout le monde a déjà joint verset 6 là? Philippiens chapitre 4, mais qui ça le dit? M'appelez le pour. Il dit comme ça, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Pas inquiétez-vous. Alors là, vous avez réalisé que dans le texte que je lis là, d'abord, premier, parler de la fidélité de Dieu, et deuxième, parler pour ne pas inquiétez-vous. Pas oublier le thème de la désolation, c'est pas inquiétez-vous. Bon Dieu fidèle. Et, m'a dit un petit bagage.
ou même qui est chrétien déjà, ou même qui fait expérience avec Christ, nous tous qu'à témoigner la fidélité de Dieu. Moi-même, personnellement, si tu avais demandé pour me parler de la fidélité de Dieu, je me dis ça bien, tu as pris plusieurs années. Plusieurs années. Ou quand dit, ah, pasteur, ça, c'est pas vrai, c'est Dieu, les mêmes abdons, c'est bagage. Parce que chaque l'homme fini, on tape monter. Parce que la vie en chrétien, c'est toujours exploit, pas exploit, merveille en merveille, miracle en miracle, miracle après miracle. Ça fait le dédi, la marche avec nous de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça veut dire que pour une victoire, il faut un combat. Ou pas qu'à gagner victoire pendant manger pour chita chita. Bon, alors il y a qui a dit gagner victoire parce que manger à temps pile, il mange tout. Mais en réalité, c'est pas ça va parler. C'est pas pendant chita la ca ou pas gagner victoire. Pour gagner victoire, là on en combat. Alors si vous pas marcher de victoire en victoire, ça veut dire de combat en combat. Et m'a dit un petit bagage, c'est que nous tous qu'à témoigner que à chaque moment que nous trouvons dans un moment difficile, bon Dieu toujours montrer que il est fidèle. Il te dit comme ça, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Ça c'est une promesse extraordinaire. Personne pas qu'à faire nous promettre ça. Pas de monde sous la tête qu'à faire une promesse pareille. Ou te mettre bien des agents de sécurité, des hommes bien formés ou bien et bien costauds ou bien armés, il y a pas qu'à faire une promesse ça. Il va dire voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et m'a dit ça bien tous les jours ça hein? c'est pas n'importe monde qui dit. C'est Jésus-Christ. C'est le puissant guerrier fort dans les combats. Amen. C'est lui qui dit là-bas avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors ça vient assurer, ça mettait nos positions côté que me pas raison pour m'inquiéter. Et dans moment ça nous pourrons regarder quelques points ensemble que pour que nous pas inquiéter nous dans quelque situation que nous caer pour nous pas inquiéter nous parce que yon nan bagay Satan pour le faire mettez ou dans l'inquiétude parce que le ou inquiété la foi ou menacée. Damien dit ça encore depuis ou inquiété la foi ou menacée et c'est yon nan bagay que nous toujours décourager moun pour pas jamais inquiéter ou de rien et la Bible Jésus-Christ parlait en pile de inquiétude bon Dieu parlait en pile de inquiétude et c'est presque 365 à 66 fois qui dit non que cœur nous pas troublé non nous pas de inquiéter nous il y a un chanté qui dit non ou pas de inquiéter non ou pas besoin peur la joie vient dans matin problème yo gain pour aller ça veut dire que bon Dieu connaît que l'ennemi a toujours mettait des situations, des circonstances sur route nous pour nous capables inquiéter parce que depuis où inquiéter ou faible, depuis où inquiéter ou la foi ou attaquer la foi ou affecter et c'est un bagage qui fait Satan fait ça. Nous toujours dit mon ça Satan pas l'aide, mais Satan l'aide pas deux fois la tu pas tant qu'on vient mettre l'aide pour inquiéter ou comprendre, mais Satan pas l'aide, Satan c'est un esprit, mais pour forme l'aide pour inquiéter ou pour faire peur parce que depuis où peur ou diminuer, depuis où peur ou même river dans dimension pour dans un niveau pour oublier qui laisse où est parce qu'on peur ou gagne doit capacité pour vaincre l'ennemi hein? Mais parce qu'on peur ennemi a marché sur vous alors ou pas doué inquiéter et de pour quitter ou inquiéter c'est ou déjà perdu bataille là avant commencer goumen avant bataille là commencer ou déjà perdu et ça fait grand pile monde qui fort et monsieur qui n'a ramassio ou bien monsieur qui sportif yo il est que yo pour aller en match avec une autre équipe yo fait des déclarations pour inquiéter l'autre équipe là puis on dit ah bon cette équipe ça nous va le passer sous lui là attends pour nous va le craser le combat avec et là l'autre équipe là attendait ça dit waouh ça mais yo fort en pile vous comprenez les a fait publicité ou mettez monde dans piou nèg là qui piou ça veut faire publicité ou penser toute l'autre yo même gens pourtant leur arrive sur terrain ou pas ouais c'est pas tout qui même gens mais ça passe, il y a battre pour intimider ou pour capable inquiéter depuis de ou inquiéter ou pas disposé. Ça fait un pile monde leur yo inquiété, bon Dieu qui doit bien besoin servir avec yo, mais malheureusement yo inquiété. Et c'est même dans moment ça nous est là avec cette question de coronavirus, le monde a inquiété en pile, il pas même gain corona, il senti tout symptôme. Ou pas doué inquiéter parce que dans affaire fidélité. Bon Dieu c'est 100% garanti. Ça veut dire une garantie à 100%. Alors, on peut juste garder quelques points ensemble avec vous, quelques situations qui permettent que, on t'a pas dit, inquiétude capable d'envahir. Mais bon Dieu avec vous. Pas oublier ce que vous avez dit, il te dit comme ça que il est avec nous tous les jours, sans exception aucune, tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que 24 heures sur 24,
bon Dieu avec moi. Et si la avec qui ça pour me peur, il dit ça avec nous, puis fort parce que ça avec ennemi. Ça c'est belle bagaille. Alors, je souhaite que vous-même vous gagniez assurance. En plus, je dis à pendant que vous attendez message ça et surtout après le confinement d'elle. Il y a un point que m'ta remettre touche ensemble avec, attendez bien. Il dit comme ça pas, il dit comme ça, pas inquiéter vous. Même les personnes pas qu'a fait rien pour vous. Par contre, qui monde qui dans situation ça là. Pas inquiéter vous, même les personnes pas qu'a fait rien pour vous. M'a dit un petit bagage étant que humain, étant que monde. Dans chaque situation, toujours des fois, le premier réflexe qu'on gagne, c'est qui est-ce qui vient d'eau. On voit, des fois, nous chantons quelque chose qui dit au secours, qui est-ce qui vous sauve, mon secours. De pour nos problèmes difficiles qui sont faits, ou déjà penser qui moune qui caille d'eau, qui bon secours a sorti. Ou bon problème rasé, ou regarder, de temps en temps, checker WhatsApp pour est-ce que vous avez reçu Western Union. Ou comprendre ça, petit, ou au lieu de fixer les yeux sur Christ, ou fixer les yeux sur moune. Pendant que vous avez une maladie, ou votre fait mal, ou penser à qui médicament. Et c'est bien, vous pensez à médicament, c'est bien. Mais quand même, étant que chrétien, premier réflexe, c'est la prière d'adorer, c'est la prière. Mais nous, des fois, nous quittons nous inquiéter pour grand merci. Mais, je vais vous dire, l'heure qu'on finit fait tout check ou t'as dû faire, ou pas venir réaliser que personne ne va pas faire un bout. Je ne sais pas si on est dans une situation pareille, côté médecin dit ou pas faire un bout. Est-ce que dans une situation pareille, côté que tout le monde, ou t'as espoir, ou t'as relé, ou bien ou t'as expliqué le problème, ou expliqué, et puis on dit, bon, malheureusement, il n'y a pas fait un. Je ne sais pas si on est dans une situation pareille. Merci ou la dedans. Je veux dire ça. Pas inquiéter ou même les personnes pas qu'à faire rien pour vous. Dans Daniel chapitre 3, nous songeons ça qui t'a passé avec Sadrak, Meshach et Abednego. Monsieur ça a été dans une situation côté que personne pas qu'à faire rien pour vous. Dans Daniel chapitre 3. Pourtant David était dans la cour du roi. David t'es proche roi, roi c'est Daniel. Daniel t'es proche roi en pile. Daniel, c'était dans la cour du roi. Ça veut dire que Daniel, c'est un monde qui était au moins intercédé pour nous. Là, il y a une situation, peut-être, il était qu'à dire, mais c'est pourquoi Daniel n'a pas la croix pour nous. Est-ce que Daniel n'a pas apaisé colère pour nous? Parce que Daniel, proche roi. Des fois, là, nous dans une situation, ça, nous pensons toujours à monde. Mais je voulais fort qu'on ait aujourd'hui. C'est à bon Dieu pour penser. C'est vrai, bon Dieu pour le servir avec monde pour aider ou des fois. Des fois, il servit avec monde parce qu'on connaît, c'est normal pour l'utiliser des monde. Mais des fois, pas même qu'on a qui monde pour le servir. Mais l'homme est espoir sur monde, oublier bon Dieu. Pas oublier bon Dieu, son Dieu qui est jaloux. Il est jaloux. L'homme est espoir sur monde, ou risquer faire bon Dieu camper à Gado. Mais monsieur Sila, pas même, alors parole l'a pas mentionné, que monsieur était même pensé à Daniel. Malgré Daniel, tes amis, wa. Malgré Daniel, tu es dans la caille. Malgré Daniel, tu as une bonne relation avec toi. Monsieur, tu es seulement fixé sur mon Dieu. Je dis, bon Dieu, délivre-nous quand même. Nous ne pouvons pas mettre à genoux devant statue. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais monsieur, où est la mort devant Dieu? Monsieur, où est la mort? Il n'y a pas de la gueule de fournaise ardente. Il y a du feu qui dévorant, je dirais. Mais pourtant, monsieur, pas. Fixe les yeux sur le monde. Et même si vous avez pensé à un monde, personne n'a pas fait un pour vous. Dans cette situation. Alors, vous-même, par contre, même si vous avez pensé à quelqu'un, vous êtes là. Peut-être à l'hôpital, ou couché sur le cabane de l'hôpital. Peut-être vous avez annoncé que vous avez une maladie qui est incurable. Personne n'a pas fait rien. Ou bien, vous avez une situation côté que une université pour payer, ou une école pour payer, ou pas capable. Personne n'a pas aidé. Même les deux, hey! Ou qu'a fait bon Dieu confiance. Ou pas besoin d'inquiéter. Si que ou n'en plan bon Dieu. De pour faire sûr qu'on n'en plan bon Dieu. De pour faire sûr que ou fidèle à bon Dieu fidèle à vous. Parce que bon niveau dans fidélité que chrétien pas percé facile. Il y a un niveau dans fidélité que chrétien pas percé facile. Tout le monde pense toujours à dire bon Dieu fidèle, mais c'est dans le sens pour faire bon bagage pour vous. Il te fait une promesse. Il te dit la pleuver. Il te dit la passe avec vous. Il te dit la toujours avec vous. C'est bien. Ça, c'est un aspect de la fidélité. Mais bon, l'autre aspect, le bon Dieu dit comme ça tout. L'homme méchant, la pinou jusqu'à la quatrième génération, ça, c'est tout son fidélité. L'elle dit la pinou, la pinou.
Par contre, vous comprenez ce que je veux dire, non? Elle dit, s'il te dit la puni ou il n'est pas puni, il n'est pas fidèle. Ça fait par un homme, je vous dis par un homme ça. Ce que vous ne pouvez pas caler, c'est que vous ne pouvez pas caler. Parce que là, on vient de passer pour menteur. Et bon Dieu, de nature, c'est fidélité personnifiée. Je ne vais même pas dire bon Dieu fidèle, bon Dieu a une fidélité dans lui. Non, 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 non. Bon Dieu, c'est la fidélité personnifiée. Ça veut dire c'est sa nature même. Il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Que en bien d'après nous, que en mal d'après nous. Depuis bouche, il dit, mais la fèle. S'il dit tout, l'ap kaleo, ouais. Parce que nous tous toujours croyons que seulement dans la bagarre positive, bon Dieu dit la pleuve, bon Dieu la femme voyager quand même, bon Dieu dit la bonne petite, bon Dieu fidèle, il dit la bonne caille. Mais il dit, gardez leur péché tout. Ça, c'est un aspect de la fidélité de Dieu que nous avons besoin, au moins, je ne vais pas dire au moins seulement, mais que nous avons besoin de considérer, mes chers amis. Mais dans le texte côté nous, il ne m'a pas écouté que Daniel. Vous comprenez, Zamil yo dans une situation difficile, il pas qu'à faire rien. Monsieur yo fixé sur bon Dieu seulement. Et les nèg yo ouais ça vrai, ouais, va mourir. Nèg yo dit bon, même si bon Dieu pas délivrer nous, nous pas mettre à genoux devant Baal. Ouais, ça veut dire que pour pas inquiéter ou faut croire dans bon Dieu, faut une foi qui ferme. Ou pas inquiéter ou si ou pas gain la foi parce que inquiétude sont signe de faiblesse de foi. L'inquiété, ça veut dire la foi ou faible. Et pas oublier, Christ dit, si nous avons la foi, t'as continué une montagne. Nous avons déplacé la montagne. Nous avons dit montagne, la déplacé, jeté tête tout dans la mer. Et la obligé à faire. Juste quand tu as une montagne. Alors, là, on dit qu'on a une montagne, ce n'est pas parce que seulement une montagne de la pitié seulement. C'est parce que bon, Jésus connaît, on a une montagne. Là, il fait un pied. Et un seul pied, montagne, qui fait un caille deux pièces. Parce que son gros pied bois, montagne pas un petit pied bois dans cause avocat. Non. Montagne pied gros pied bois chaîne. Mais, grand petit. Alors, c'est ça, Jésus a prouvé par la foi. Il avait dit, l'on n'a pas gagné la foi ou inquiété pour n'importe petit bagage fort saisi. Alors, monsieur, yo, regardez, personne n'a pas fait rien pour yo, mais monsieur était quoi dans mon Dieu? Mais après toute expérience qu'on passe, après toute situation qu'on vive, ou wè chaque lor rive côté que moun pa ka fè pou ou wè ki sa bon Dieu fait n'ta ou bien comprendre ça m'va dire là lor nos situation que personne pa ka fè pou ou ta doué content ou ta doué dit ah là m'poual wè bon Dieu qui poual agir. Amen. A dit personne pa ka fè rien et bien bon Dieu lui-même il poual agir. M'pa dit ça pour fò rezi ou même dou ça pour faire que ou garder la foi. Ou pas inquiété ou dans une situation difficile côté personne pas ca agir peut-être l'autre mon a pas agi ou habitué avec ou attendre ça mon ca faire il ca voyer $100 pour il ca fond il ca bon médicament il ca bon belle prescription il ca ceci il ca cela mais bon Dieu par contre ça le pour le faire et ça le pour le faire pour le vraiment extraordinaire. Amen. C'est belle bagaille pour côté bon Dieu à agir. Alors à chaque circonstance qui dans la vie ou amen. À chaque circonstance qui arrive dans la vie, ou chaque situation que on confronté dans la vie, qu'on voit moun pas ka faire rien. Comment c'est fait que content parce que bon Dieu va le faire bagaille. Oh amen. Regardez, c'est plus belle bagaille dans la vie en chrétien, là où bon Dieu à l'œuvre. Et moi c'est bagaille qui fait me content en pile à chaque fois que moi bon Dieu à l'œuvre. Là moi bon Dieu a agi dans la vie, ça fait me content. Là moi bon Dieu a agi dans ministère, ça rassure me. Me content parce que me dit ça c'est l'Éternel. Personne pas t'a faire ça. Alléluia. Personne pas t'a retirer me dans situation ça, n'était pas Dieu. Et m'a dit là que bon Dieu agit dans situation, il bon une assurance de la vie éternelle. Amen. Il bon assurance qu'on c'est petite bon Dieu ou pas seulement gagner m'a dit. Il y a prétention, on a bon, je suis enfant de Dieu, tu vois. Non, là, ou gain preuve, amen, ou gain garantie, parce que il agit dans la vie. Bah, le seul monde fait, vous comprenez que le monde fait, gain plus le monde qui fait erreur, depuis, il jouit de un miracle, il considère le temps qu'on saute de salut. Non. Bon Dieu, quand il fait un miracle pour vous, pourtant c'est pour l'autre monde. C'est pour l'autre monde qui n'a pas la foi, l'autre monde qui n'a pas voulu convertir, et puis bon Dieu fait un miracle là pour vous. Mais en réalité, c'est pour vous le faire. Parce que c'est eux pour le convaincre.
Ou quand bon Dieu fait miracle là pour qu'on y a ou te qu'on marche dans tout jeune après ça va marcher dans jeune encore. Vous comprenez miracle passer vous hein parce qu'on a fin lago dans débauche mais pourtant il y a des monde qui était dans service là qui ouais miracle ça la vie a changé net. Attention parce que plus le monde comprend que depuis yo jeune miracle bon Dieu c'est ciel là où te joindre. Faut nous faire plus attention. Alors mon ami yo monsieur yo te garder la foi et yo te dit même si bon Dieu va délivrer yo pap met à genoux et là ou te wè personne pa ka fè ça peut me dire même si wè personne pa ka fè ou pas besoin inquiéter même si wè personne pa ka fè pour ou pas doué inquiéter bon garder deuxième point ensemble avec nous il dit comme ça pas inquiéter ou même les ou pas gain aucun espoir il semblait avec ce premier mais pas même les personnes pa ka fè rien pour ou ça c'est tout monde ko te gain yo là on parle pas gain espoir. Le deuxième point parler que même l'on pas gain espoir li ça veut dire que ou gen la penser moun pa ka fè pou ou mais ou penser gon bagay ou ka gen gon ko bouté gen ki ka serré en côté ou bien ou même ou ka fè bagay mais là le parler que ou pas gain espoir même c'est parce que ou rivé dans un point côté que ou on point de non retour ça veut dire que li pa gain possibilité pa gain moyen de sortir du tout ou pas gain espoir même. Dans le premier point, laisse ouais mon pas faire pour vous, laisse toujours espérer, ou checker WhatsApp souvent, ou checker email souvent, de temps en temps checker. Mais là, deuxième point, on dit ça. Alors bon, on nous garder un texte ensemble. Dans Actes chapitre 12 verset 5 à 9. 5 à 7. Mais ça le dit, il dit comme ça. 5, il vient dans verset 7. Il dit Pierre donc étant gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Et en disant, lève-toi, promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Vous comprenez que Pierre, qui était déjà, ouais, que il finit de décapiter apôtre là déjà, qu'on est assez tout pâle. Et le roi a besoin de faire peuple à plaisir. Pas gain espoir là. Imaginez, pour enchaîner dans deux chaînes, il y a deux soldats à bon côté, il y a deux sentinelles devant apôtre là. Il dit, là, pas gagné espoir. Deux, mais si Dieu veut pas exécuter son homme. Vous pouvez imaginer ça. Peut-être qu'on n'a pas jamais une situation pareille. Mais là, pas gagné espoir. Il y a un premier qui mourit déjà, il est décapité, coupé tête. Li. Donc on est là, c'est où on est. Deux, mais si Dieu veut. Et c'est pour plaisir, peuple. Là. Vous pouvez comprendre ce qui a passé là. Pas gagné espoir. Est-ce qu'on a une situation côté pas gagné espoir? Est-ce qu'on a une situation côté que vous réalisez tout est fini? Est-ce que ou non situation côté qu'on a réalisé que ou t'as pas dit même bon Dieu pas qu'à faire pour ou des fois c'est ça nous toujours dit ou dit la même bon Dieu pas qu'à mettre dehors on connaît un peu le monde qui dit chant de bagarre c'est là même dit ou faire erreur et j'aime toujours dit depuis ou inquiété foi affecté et un chrétien qui vive qui a inquiété souvent ou ce chrétien qui a perdu combat souvent parce que le roi qui était ou faible m'ka réaliser ou bien m'ka essayer de prêter voix pour me dire ça même pour station radio qui pourrait faire 71 ans si bon Dieu pas de fidèle ça pas possible pour j'en connais que radio a prend quelque gros baf quelque gros m'ta va dire quelque bon petit bail vous comprendre parce que Satan leur fait travail bon Dieu Satan pas garder comme ça cette radio t'a lui même tomber mais pendant que peut-être tu quand même fait faillite des fois mais tu t'a dit ah mon cher bon et comme gon aspect commercial tu t'a fait publicité pour comme il faut j'en ai que ça au pays bien vous comprenez tu peut-être prend peut-être l'autre bagarre encore mais maintenant vous comprenez ça parce que on connaît bon Dieu fidèle mais le où mettez confiance dans bon Dieu comme ça bon Dieu pas jamais pas intervenu parce que c'est il bon garantie bon Dieu fidèle. Alors, le coup dans la situation, si là, ou pour qu'il finisse ensemble avec vous, ou devez camper et dire, non, je ne peux pas faire bac. Non, je ne peux pas faire bêtise. Parce que quand pile moun
qui fait bêtise, c'est parce que ils ont inquiété. Ils ont trouvé une situation côté que ils ont dit bon, personne pas qu'à faire, c'est moi qui pour mettre tête moins dehors. Mais là dans la situation que Pierre était là, il pas qu'à mettre tête dehors sauf il t'a réuni Christ. Peut-être. Sauf s'il t'a dit Christ pas vous rien, il t'a dit bon Christ pas Messie, pas Seigneur, ouais. Mais elles ouvrent parenthèse ensemble avec vous. Pas oublier, Pierre fait 3 ans et plus au pied du maître avec Jésus. Mais Pierre, pas de guerre assurance. Mais le Saint-Esprit entré sous Pierre. Le Saint-Esprit descend dans acte 2. Caractère Pierre changé. Alors, vous voulez faire comprendre que même si vous avez en pile information ou lire la Bible en pile, ou comprendre en pile révélation, même peut-être, entre guillemets, dans la Bible, Saint-Esprit important dans la vie ou pour qu'il y ait vraiment une foi qui ferme. Parce que imagine au pied avec le maître par excellence, le plus gros, le professeur ça qui est fort, Jésus-Christ, pas de monde qui est plus fort, c'est Jésus. Pierre est là, Pierre prend tout enseignement, toute instruction Christ, tout enseignement Jésus, mais Pierre courit devant ses servantes. Qui dit, ah, mon cher, m'te ou ensemble avec Pierre Gaz. Pierre dit, non, mon cher, ou fou, c'est pas mon thé, ouais. Non, c'est pas moi. Pourtant, Pierre, t'es avec Jésus. Pierre, ouais, miracle, Jésus fait. Pierre, ouais, un pile bagaille. Pierre, ouais, la puissance de Jésus. Mais pourtant, on servant fait le courir. On servant fait le courir. Et Pierre est en réunion Christ 3 fois et Christ est averti. Mais pas de cas empêcher de faire ça. Parce que je connais qu'un pile monde, alors qu'on est la foi, nous tout dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est vrai. Je m'a dit ça sans le Saint-Esprit. Ou qu'on entend un pile message, un pile gros bishop, ou qu'on entend un pile gros enseignement, foi ou pas jambes fermes sans le Saint-Esprit. Et là, preuve là bien grand devant nous, monsieur, tu es avec Jésus. Yo pas avec Paul, m'pa di yo t'es avec Pierre, m'pa di yo t'es avec Élie, m'pa di yo t'es avec Jérémie. Non, yo t'es avec Jésus. Le 100% Dieu et 100% homme, malgré sa foi, yo pas aussi ferme que leur Saint-Esprit descend sur yo. Ça veut dire m'cap dou en pile causer là, m'cap enseigner en pile, m'cap prêcher en pile, mais m'a dit ça si Saint-Esprit de Dieu pas présent dans la vie, si vous pas le Saint-Esprit de Dieu ou pas qu'à garder la foi, surtout dans moment ça n'a vivre là mon ami, dans moment ça nous y est là, on côté que Satan vraiment a pu utiliser des stratégies qui extraordinaires. Malheureusement, des fois nous-mêmes chrétiens, nous très conservateurs. Satan lui-même, il est un innovateur. Il vient avec toute technologie, tout système, tout style habillement, tout style musique, l'a changé de temps en temps, l'a innové. Pour qu'amener monde dans l'enfer, pour qu'à séduire monde, mais des fois nous sommes tellement conservateurs et puis là et on comprend ce qui a passé là et on a perdu monde, mon nous a pas aller, jeune nous a pas aller. Il m'a dit non petit bagaille, c'est que malgré toute connaissance Pierre t'a gagné. Si yo t'ai metté Pierre en prison avant, bon va pas jeune Pierre tout parce que ouais Jean-Pierre t'a agi. Parce que Pierre dit, par contre Christ, c'est pas la vie, je mets Pierre dans la prison parce qu'on est par contre Christ. On a dit non, même pas de jambes à Christ, il va mettre dans la prison. Il avait dit que, mais si pas malheur, Pierre était dans la prison avant, vous comprenez, ou sûr, Pierre t'a prêté aussi ferme. Regardez les Paul dans la prison, Paul a voulu encourager les chrétiens qui pas dans la prison. Et Paul dit, regardez, dans la prison, il y a là même son bénéfice. Amen. Son bénéfice pour augmenter la foi, monsieur qui dehors, puis prêcher l'évangile. Vous comprenez ça? Ça, c'est pas quelque chose. Alors, imaginons une situation difficile et pour vous dire, mon cher, ça, c'est au bénéfice même de l'évangile, de la propagation de l'évangile, parce qu'on a un moment, une situation qui est difficile. C'est là où on dit toutes choses concourent. Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même une situation difficile, ça pourra servir pour la gloire, bon Dieu, éclater par la vie. Amen. Amen. Elle dit que Pierre, dans la situation. Pierre était calme parce que comment faire pour dire pour dans deux chaînes ou bien deux soldats cap veo, bien deux sentinelles de roi et puis pour Pierre a dormi. Comment faire un sommeil mon ami? Comment t'as fait un sommeil? Mais il connaît que dans affaire fidélité bon Dieu c'est 100% garanti. Amen. 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 Elle dit que malgré qu'on est pour le tuer le demain si Dieu veut, il pourra le décapiter le demain si Dieu veut.
Il enseignait dans deux chaînes, deux soldats, yon à gauche, yon à droite, deux sentinelles devant porte là, l'a dormi. Je voulais dire un petit bagage. Est-ce que vous pensez que vous avez dormi? Ou pensez que ça pourrait le faire pas bon? Là, bon. Des fois, il y a une situation privée, dormi. Dormi. Fais la planche. Non, mais bon Dieu. Amen. Monsieur, je parle avec deux ou trois mouns là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des situations qui arrivent, dormi. Parce que si yeux clairs, vous êtes trop intimidé. Amen. Vous êtes trop peur. Vous êtes trop pression. Mais regardez, sous dormi. Amen. Alors, quand je suis allé à la base, ça te dit l'ennui est arrivé, qu'aime pas sauter. Parce que c'est au Seigneur qui a fait veiller, dormi te mettre pour te maler. Parce que c'est au Seigneur qui a fait veiller, ou mettre dormi des fois. Parce que c'est des circonstances qu'on y a. Et c'est des situations devant vous. Les yeux clairs, ou à point pression. Comme dit tout ça au commencement, Satan pas l'aide, mais elle part devant la part, t'as un gros dragon, t'as un gros bête l'aide, et puis là, on tremble. Et pourtant, c'est esprit, elle pas l'aide. Ça fait que, ne qui chimère, ne qui bandit, en point, qui pas paix bête, Satan pas part devant en bête, parce qu'il part en bête, il qu'on a tué à coup de bateau, à coup de pied. Il part tant qu'on belle fille, il part tant qu'on dollar américain, ça ouais. Hein? Et pour donc dire ça c'est pas Satan, ça c'est une fille. Et pour point mon ami, on dit non ça c'est l'argent, chemin l'argent pas piquant. Et bien on point mon ami, parce qu'on pas paix bête. S'il part devant bête, on va tirer à coup de bois. On va voir alors, il pas paraître en bête. Mais si qu'on est où lâche, si qu'on est lâche ou paix bête, la paraître en gros bête, la pas tant qu'on bouille sans tête, qu'on est bouille sans tête, où est branlé. Il est pour branlé ou paix ou point. Et de vos points, ou au cas où il est possible pour perdre la bataille. Vous commencez à me dire là, ou pas de inquiéter. Alors, comment se fait-il pour Pierre, il pourra le décapiter demain, si Dieu veut, il pourra le mourir. Il a deux chaînes, deux soldats, deux sentinelles à veiller, et puis il a dormi. Alors, où est-ce que la situation est? Ou est-ce qu'il n'y a pas de dormir? Dis non. Il y a des gens qui n'ont pas de sommeil. Regardez. Dans la fidélité, bon Dieu c'est garanti. Ou pas gagner pour peur. Il dit mon cœur n'a rien à craindre. Mon cœur n'a pas gagner pour peur parce que c'est lui qui a conduit, c'est lui qui a veillé. Il dit Seigneur, grâce ou plus que soldat qui a veillé, c'est ça qui fait que je pas sauter. Je ne peux pas chanter. Mais je me dis ni gros vent, ni soleil, ni l'homme, ni porte salcaï, ni soldat, n'importe salcaï, n'importe qui situation, doué, cobo ou malade, n'importe qui genre de maladie, n'importe qui genre d'épidémie qui tombe sur vous, restez ferme, parce que c'est bon Dieu qui a veillé, c'est bon Dieu qui a capable à vous. Comment pour faire peur? Non, Pierre dormi. Pierre dormi. Et les anges l'ont ouvri. Les anges l'ont paraît, anges l'ont ouvert porte là, puis a dormi puis raide. Il dit, c'est regardez, Paul l'a dit que c'est ange qui frappe au côté à Pierre. Il dit, hey, Pierre, levé. Amen, amen, amen. La délivrance la fin faite, chaîne est tombée, porte l'ouvre, c'est là ça arrivé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce qui a passé là? Il n'y a pas de bon Dieu pour le faire pour vous, il n'y a pas même qui t'ouvre. Il n'y a pas même qui t'ouvre, même non. Il n'y a pas ou pas ouvre. Et il y a une action que l'île pour le faire, il n'y a pas qui t'ouvre. Et là, le fin fait, c'est là ça le réveille. Hey, au nom de Jésus, je connais des gens, bon Dieu, pour le réveiller. Peut-être qu'on y a, peut-être demain, peut-être semaine prochaine, ou mois prochain, l'année prochaine. Mais regardez, dormez. Parce que ça qui a veillé là, il est plus fort. Parce que ça qui a veillé méchant. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est content, vraiment content. Le message là rassuré. Il ne fait pas peur en rien. Il ne fait pas peur mauvaise nouvelle. Amen. Parce que il y en a pas qui fait chrétien. Et comme tu as dit ça, grand monde en vent, là, c'est mauvaise nouvelle. Yo. En vent, là, il dit grand monde en vent, là. Et vous comprenez ce que je dis là. Il dit que vous avez vieilli. Vous comprenez. Vous avez parlé. Et des fois, nous pensons, bon Dieu, c'est un grand monde, tout même j'avais nous. Je ne suis pas un grand monde. Pour un grand monde, il faut subir l'effet du temps. Bon Dieu, il est hors du temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grand, il n'y a pas de cheveux blanches. Ou pensez qu'on a passé, on dit bon Dieu, il a longtemps, on pensez qu'il a dans la chute. Non, aucun problème. Bon Dieu, pas de grand monde. Ça fait, ou après, Satan propose de grand monde, il ne va pas l'avoir l'ennui, et vous dites c'est bon Dieu qui ne va pas l'avoir. Non, parce que notre tête, c'est un grand monde. Il dit ah, grand monde, non, bon Dieu, pas grand monde. Parce qu'il n'a pas subi l'effet du temps, il est hors du temps, il contrôle toute bagaille.
Bon Dieu pas vieillir. Amen. Bon Dieu pas vieillir. C'est ça qui fait qu'il pas endormi, il pas fatigué. Alors il y a des gens qui pensent que bon Dieu fatigué, il repose le samedi, mais bon, malheureusement, bon, en fait, si bon Dieu repose, ouais, il y a qui approche l'évangile avec hardiness. Si bon Dieu font, si bon Dieu travaille, font si dormi, que ça au fini, ça tente au final. Avait dit celui qui garde Israël, il pas ni dormi pas kabicha. Ça veut dire que bon Dieu toujours a veillé nous. Alors, le fait que Pierre gagne assurance dans bon Dieu, il croit dans la fidélité de Dieu, il dormit. Dans mes problèmes, il dormit. Dans mes menaces, il dormit. Parce que si on n'a pas que Satan parle avec elle, c'est menace. C'est menace. Il y a menace au Dieu pape rien. Il y a menace au Dieu toute bagarre, regardez où son monde qui échoué. Il y a famille, ça pape ceci, pape cela. On prend ou pas jamais qu'à ceci, pas qu'on est qui menace ou bien sur la vie. Mais si vous êtes avec mon Dieu, si vous êtes chrétien, si vous marchez avec mon Dieu, je vous dis, vous avez dormi. Vous avez des balades tirées, vous avez dormi. Amen. Amen. Vous avez dormi. Pour qui ça? Parce que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu, c'est la fidélité personnifiée. Amen. Gloire à Dieu. On regarde le troisième point. Troisième point, hein? Il dit comme ça, pas inquiéter ou. Bon Dieu, pas quitte ou honte. Wow. My God. Hein? Ça belle, ça c'est pour moi. Hein? Alors, je vais partager avec nous quand même, mais ça c'est pour moi. On dit, pas inquiéter ou. Bon Dieu, pas quitte ou honte. Alors, là, mon honte d'habitude, c'est lors devant une situation qui t'en coûte son défi. Ou une situation côté que. Et ou mon rival ou mon adversaire et qui devant et qui peut-être même a ironisé ou bien a humilié ou mais ou garder la foi amen. Parce qu'on est bon Dieu avec vous. Il faut comprendre une situation, il faut comprendre, alors pas une situation, même ta vous faut comprendre une bagarre que honte. Là, mon vraiment pour un mot ça plus au sérieux que avant, parce que en pile dans nous peur honte, en pile monde fait bêtise à cause de honte, parce qu'au fond honte ou m'en dégoûte, ou fait mal élevé, juste parce que au fond honte, vous comprenez? Et m'a dit vous même qui chrétien, le monde fait honte surtout pour l'évangile, amen, surtout pour la cause de l'évangile, le monde fait honte. Ou t'as de faire qu'on content. Surtout pour la cause de l'évangile. Parce que le que moun voulait faire petite bon Dieu honte. Si gon bagay bon Dieu pi fort là-dedans, après tout bagay que c'est le pi fort dans tout, yon nan yo, c'est lever honte moun. C'est lever honte moun. Mais ça me connait pile histoire comme ça, moun yo mettait dehors dans caille et pour bon Dieu paraît bon pi belle caille parce que caille était mettait dehors. Gen moun il était servante et puis a humilié et puis vinn sur un temps dans pi gros restaurant et puis ta moun qui t'a humilié là vinn a travailler vinn demander job. Vous comprenez ça m'a dit là. Ouais, ça fait lever honte. Bon Dieu, c'est garanti à 100%. A dit ouais les moun font honte. Seulement fais sûr que dans le plan de Dieu. Fais sûr que, ou dans la volonté de Dieu, parce que ouais, honte, dame, que nous vraiment maîtriser honte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est honte qu'il faut fâcher plus souvent. Vous comprenez? Le monde fait honte parmi les gens, le monde humilié, ou, même après un petit bagaille. Bon Dieu, fidèle, bon Dieu, dit là pas avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, le bon Dieu garde petit, lui, on a fait honte. C'est un coup où. Stimule, ou si bon Dieu est stimulateur, je ne pas dit. Ou si bon Dieu vient comme si je ne pas dit, il vient comme motivation qui fait l'agir plus vite. Oh man. Oui, il agit plus vite. Parce que petit, il y a une situation, côté que, il honte, côté que, il peut l'humilier. Et si bon bagage Satan aime faire, c'est ça, c'est faire mon ça. C'est humilier mon. Au cas où même qui servent de bon Dieu, ou même qui serviteur de Dieu, et puis Satan faut descendre dans un niveau de comme tu as dit ça, dans un niveau de péché, de corruption, d'impudicité qui vraiment l'aide. Côté que qu'on y a ou de passer devant l'église là. Yeah. Et je connais des gens comme ça.
y a des gens qui ne rentrent pas à l'église encore parce qu'ils ont honte. Et même ça, des fois, il y a des chrétiens qui font équipe avec Satan pour faire mon honte. Oh, one. Et même ça, on dit, mon ami, il faut nous faire plus attention. Il faut nous faire plus attention. Bon, pour un petit exemple très simple. Par exemple, un petit monde qui font bêtises dans le choral ou bien dans l'église, dans l'équipe d'adoration, quelconque. Vous comprenez? Et puis, parents déjà humilié. Grand frère déjà humilié. Vous comprenez ce que je dis là? Moun nan katye l ki ta plonge dwet sou li. L'église la pense ça ou pas assez. On y a yo même tout yo rentre là-dedans. Non seulement ou ka bal yo sanction sans délai. A dit, vous comprenez? Satan fait ça. Satan vient pour krazo, pour humilier ti moun nan, pour faire le honte, pour finir avec frère, pour finir avec soeur. Et puis, l'église contribue. C'est un coup, yo vin associé. Faut dire, yo vin. Ce sont des coéquipiers pour craser au monde. Non, pas prendre un piège là. Moun déjà honte déjà. Imagine un petit monde qui était l'église, qui a dirigé ou bien dans n'importe quelle saleté, musique, et puis tombé enceinte. Il déjà humilié déjà. Il déjà honte déjà. Il déjà a des problèmes avec tête li déjà. Pour que ça l'église là qu'on est obligé d'augmenter la donne. Bon, si vous son monde comme ça, me le dit bon Dieu qu'a levé en tout. Au nom de Jésus. Bon Dieu qu'a levé en tout. M'a parlé avec eux même. Bon Dieu qu'a levé en tout. Nous sommes dans 1 roi chapitre 1 roi chapitre 18 côté que Élie était devant prophète Baal. Ça c'est gros honte t'a bien pour Élie. Vous imaginez ça? C'est gros honte parce que tout nèg ça au camper là devant prophète Baal, nèg ça au montrer que c'est yo qui gagne bon Dieu pour la part hein. Comprendre bon Dieu pour la part hein. Et des fois combien fois on dit nous ça? M'a presse bon Dieu là qu'a délivre. On voit Élie qui est devant tout monsieur. Et il fait bon Dieu confiance. Il connaît bon Dieu à pleuver contre lui quand même. Et monsieur fait tout ça pour faire. Finalement, il est tellement croit dans bon Dieu où elle même passe monsieur dans bêtise. Mais où des fois ou intimidé ou même. Ou intimidé. Et dans moment ça au moins veut encourager ou pour que ou capable de faire bon Dieu confiance à 100%. Et des fois, l'on sentit la foi faible, l'on sentit qu'on n'est pas capable, l'on sentit qu'on dit à quête ou presque désespéré. Tant pour courir derrière la délivrance, demandez bon Dieu présence. Donc, me dit encore vous. Des fois, l'on sentit désespéré ou pas capable. Ou verrez les secours qui laissent pour qu'il y ait de vous. Des fois, au lieu pour courir derrière la délivrance, courir derrière la présence. Oh my God. Parce que tout le monde présence, bon Dieu, non, yo pas qu'à finir mal. Et ma de présence, mon Dieu, m'a parlé de Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans vous, ou pas qu'à finir mal, ou qu'a perdu plusieurs petits combats, mon pas perdu bataille là, parce que Saint-Esprit de Dieu est là. Bien, fait, qui dit comme ça, quand il descend, oui, tout s'arrête. Qui s'est campé? Toute activité Satan campé. Oh my God. Alléluia. Je ne connais pas qui ça l'a fait dans la vie, qui ça. Et ni à faire dans la vie. Comment je voulais déjouer, comment je voulais finir avec. Je voulais finir avec réputation. Mais quand cet esprit entre, tout s'arrête. Parce qu'il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre, ça veut dire que ciel là va agir pour vous. Alléluia. Ciel là campé pour vous. Amen. Même quoi que moun la besoin dans moment ça pour ciel la camper pour yo parce que situation réa c'est seulement ciel la ka on bagarre pour yo pas gen zanmi pas gen fami pas gen personne qui ka font bagarre mais en vérité me dit plusieurs fois les pour mande présence bon Dieu dans la vie bagarre pour le changer automatiquement et puis Saint-Esprit entrer. Ou pral vin tourner, amen. Ou pral tourner, yon porteur de la présence de Dieu. Oh my God. Il dit, regardez, m'pa habite dans kay qui fait ak men d'homme. Des fois, nous pensons, bon Dieu était dans kay, dans gros l'église, dans gros sanctuaire. Non, ça c'était avant Jésus te mouri. Depuis Jésus fin mouri, voile temple enchiré, bon Dieu pa arrêté dans kay encore. Ça fait des fois, dans l'enseignement, nous disons que, nous dit que les amis, il n'y a pas de faire des choses dans l'église. C'est sûr qu'il faut respecter l'église, côté nous adorer, mais comme si, nous n'avons pas qu'à faire dans l'église, il n'y a pas qu'à faire deux. Il dit qu'on vient blague là pour éveil, il dit non, pas qu'à faire blague dans l'église, là, il y a deux. Ah, c'est à côté bon Dieu. C'est en don, mon Dieu, c'est pas en dans l'église là, c'est en don. C'est nous qui venons avec bon Dieu en dans l'église là. Oh my God. Alléluia. C'est moi qui pouvons venir avec la présence de bon Dieu en dans l'église. Parce que bon Dieu dit, pas arrêter dans la caille qui fait avec l'homme.
Est-ce que l'église a ces anges qui t'ont fait? Oui. Aussi, c'est bon Dieu qui t'a fait l'église là. Un jour matin, nous levons, nous blow. Il mettait non, non, c'est un boss qui t'a fait. Moun. Vas-y, bon Dieu, va arrêter là-dedans. Qui bon Dieu était? C'est en dedans. Au lieu de courir des délivrances, courir des présences. Que présence bon Dieu remplit ou. Que présence bon Dieu capable en abondance dans la vie ou. Parce que pas de monde qui marche avec bon Dieu. Pas de monde qui porte bon Dieu en dedans ou pour finir mal. Parce que bon Dieu est le puissant guerrier. Amen. Il dit, l'on dit ça dans le psaume 24, il dit comme ça. Porte élevée volontairement. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Je ne sais pas qui genre de maladie ou rien. Je ne sais pas besoin qu'on ait mal. Je ne sais pas besoin qu'on ait une situation côté qu'on a honte. Je ne sais pas besoin qu'on ait une situation côté que mon pas fait rien pour vous. Je ne sais pas besoin qu'on ait une situation côté que ou pas gain espoir. Depuis présence bon Dieu en dedans. Alléluia. Depuis présence bon Dieu habité dans vous. Depuis cet esprit de Dieu dans la vie, toute activité ça tape campé. Parce que bon Dieu fidèle, parce que bon Dieu c'est la fidélité personnifiée. Je souhaite que bon Dieu fasse grâce. Je souhaite que bon Dieu passe ensemble avec vous. Et je souhaite que bon Dieu rende parole ça yo vienne vivant en dedans. Parce que des fois on est ba yo mais on pas ka vivre yo. Il y a des monde qui plein verset, yo connaît verset, c'est là qu'on verset à champion. Mais pas besoin petit bagage. Yo Dieu pas sortir de à faire droit trop. En one pendant ce temps, ils disent bon, ils ont grand en deux, ils ont respect grand en tonton en deux. Pourtant, on connaît verset en pile. Mais où, capteur de là, au nom de Jésus-Christ, c'est pour verset, ils viennent tourner comportement. C'est pour chaque monde qui rencontre, c'est avec verset, ils joignent. Ou pas seulement qu'on est verset, ils vont vivre. C'est pour chaque monde qu'on salue, chaque monde qu'on touche. C'est parole, bon Dieu, qu'on salue. C'est parole, bon Dieu, touche. Parce que le monde a besoin du Seigneur. Et c'est vous-même. C'est pas vous-même, bon Dieu, pour aller passer, pour bénir. Toute parole, ça, on t'a dit pour vous. Même vous, au nom de Jésus, qu'on y a une possibilité pour parole, ça va accomplir dans la vie l'autre monde qui est autour de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les affaires fidélité. Bon Dieu, c'est garanti à 100%. Que bon Dieu bénisse nous, que le fait nous grâce, que le accompagne nous, que le bénisse nous en façon spéciale, en façon que le pour jamais bénisse nous comme ça, en façon qui c'est pour la première fois. Au nom de Jésus, fais-le confiance, restez avec elle, marchez avec elle, il faut garder tout neuf dans la vie, parce que c'est bon Dieu qui est réel et c'est bon Dieu qui est fidèle. Restez avec la paix, bon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le livre d'Habacouc, il est dit ceci. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je ne m'attarde pas sur le qu'en dira-t-on, et je ne promène pas des regards inquiets. Surtout, je ne regarde pas à gauche ni à droite, je crois seulement. Mon Dieu est vivant, il agit toujours, Jésus est vivant. Même si au bout de mon parcours, je ne sais plus comment avancer, tu me feras un chemin dans le désert. Oui, je crois seulement, Jésus est vivant. Oh oui, je sais, mon Dieu s'appelle fidèle. Il ne faillit jamais, parce qu'il veille toujours à sa parole. Je crois seulement, tout s'accomplira. Oh oui, je sais, mon Dieu s'appelle fidèle. À sa parole, je crois seulement, tout s'accomplira. Je ne considère pas tout le temps passé, je regarde l'avenir devant moi. Ah, je sais que tout passera comme dans un rêve. Crois seulement, mon Dieu est vivant, oh, il agit toujours.
promesses ne sont pas illusions. Oh non. Même si elles tardent, finiront par s'accomplir. Oui, c'est vrai. Y'a pas mieux que de ne pas perdre l'espoir. Je crois seulement Jésus est vivant. Oh oui, je sais. Mon Dieu s'appelle fidèle. Veille toujours à sa parole. Je crois seulement. Tout s'accomplira. Tout oh oui, je sais. Mon Dieu s'appelle fidèle. Jamais. Parce qu'il veille toujours à sa parole. Je crois seulement. Seulement. Je crois seulement, j'y crois seulement, Jésus est. Je ne rendrai pas mon droit d'aimer, je sois seulement. Zami mio, je ne parle pas pour me prêcher encore parce que le message a été assez clair. Il y a deux expériences avec bon Dieu. Ou a dit à toi, le monde a parlé mal bon Dieu. C'est de qui est-ce qu'il a parlé? Parce que vous-même, vous connaissez qui est ce bon Dieu là. Vous connaissez qui ça le fait déjà, qui ça l'a fait et qui ça le fait. Pour me dire certaines. Là, nous campons sur ça, bon Dieu dit. Et c'est ça même qui va le prouver fidélité. Parce que ça le dit à bouche li, mais qu'a accompli. Moi-même, avec vous, nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Et qu'on est dans n'importe quelle circonstance que nous avons trouvé, nous, bon Dieu n'a pas abandonné. Li pa kite n. Souvent nous quand m'a demandé tête nous, mais pour que ça depuis dans votre maman nous bon Dieu a géré nous, la protéger nous, li fait route avec nous, li fait un pile miracle dans la vie nous. Et puis comme on pas arrivé après université, nous pas dans travail, c'est ça nous penser que nous ca cherchons ba mettre sous nous, c'est comme si bon Dieu pas là encore. Mais non, c'est lui qui est toujours là. N'a continuer faire bon Dieu confiance et il va faire route avec nous. Moi penser que à travers message pasteur Marco jodi là, moi m'avec une grand pile bagaille que n'était noté. Dit seulement rété pour nous appliquer dans la vie nous ça que n'était tendé de la part de Dieu. Bon Dieu n'a servi à les fidèles. Bon Dieu trois fidèles pour ta traîne. Les trois fidèles pour ta lagne dans route. En fait bon Dieu confiance et il va agir pour nous puissamment. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VEH, pour formation croyant yo et pour conversion non croyant yo. Nous t'a bien aimé, invité ou même que Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur pour rentrer en base zèle. Il est tellement fidèle, le fin bon la vie, il pas prendre encore, la quitter non ou même pour l'éternité. Mon guide la pour des servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon qui bon rendez-vous pour dernière sortie de émission Ainsi parle l'Éternel en occasion 71e anniversaire de la 4VEH, la Voix évangélique d'Haïti. En attendant de nous rencontrer, nous souhaitons que bon Dieu n'a moins fini, qui t'a utilisé sa vie là pour te parler avec que nous aujourd'hui à la, qui t'a permis de recevoir l'émission avec nous. Nous disons merci pour ça. Capable bénir abondamment.